On salue les arbitres, on applaudit, mesdames, messieurs, les arbitres, très important. C'est le Paraguay qui marque le premier point. C'est le Paraguay, un beau point. Superbe égalisation pour les Espagnols. Paco Silva et Juan Lopez. Le Paraguay marque son deuxième point, le Paraguay qui est Esteban Dabolos. Ok. Magnifique. L'Espagne qui égalise de partout. Superbe point des Espagnols à l'instant qui prennent l'Espagnol. Ah, on assiste à un beau match quand même pour l'instant, 4-2 pour l'Espagne, attention, avant. Superbe point encore pour les Paraguayens, très bon point, 3-4. Elle est sortie, donc le Paraguay qui est gagné, bah, certainement très serré. Dommage, elle avait été bien sauvée, elle avait été bien sauvée cette... Oui, elle est sortie. Donc c'est l'Espagne qui marque ce point qui aura lieu demain ici même et télévisé sur beIN Sports. Magnifique, encore une fois. Oh, c'est bien défendu, c'est bien joué. Le Paraguay qui égalise. L'avantage pour l'instant n'est pour personne, mais c'est le Paraguay qui est au service. Magnifique, il est beau, il doit être applaudi, on applaudit. Elle est out, elle est dehors, malheureusement il y a égalisation paraguayenne, 7 partout. Ils se suivent de près, elles se suivent de près ces deux équipes, 7 partout. Rien n'est joué, je vous le rappelle, il y a un deuxième ballon en...
encore une fois, ils se suivent de près les deux équipes. Au service. Et non l'Espagne, attention le match. Attention, égalité. Le match. L'Espagne qui commence à reprendre l'avantage. Oui, excellent. Excellent point. Qui revient au score 14. Voilà, qui est fait, merci monsieur l'arbitre. Et c'est le Paraguay qui est au service. Superbe charme signé l'Espagne. S'il vous plaît, attendez, attendez avant de démarrer, s'il vous plaît. Messieurs, qui est. Voilà, on va. S'il vous plaît. Attention.
réduction. Ils sont menés d'un point, 16-17 au service. Messieurs d'Espagne, oui, l'accolade. C'est important ce match. Important. Victoire de l'Espagne! Plus fort que ça! Plus fort que ça, l'Espagne! Merci messieurs, l'Espagne qui est championne d'Europe de l'Eurofootball, elles qui le seront également du footballet. L'Espagne représentée par, je vous le rappelle,